Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Génération Télévision, et bon mois de septembre, bienvenue dans l'événement. Alors, vous le savez maintenant, le Club Dorothée fête ses 30 ans, il est 20 ans de la fin, mais le 30 ans des débuts du Club Dorothée, on en a parlé toute la semaine sur la chaîne, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la couverture médiatique de cet événement. Alors, outre une énième rediffusion du documentaire Génération Club Dorothée, l'histoire d'une émission culte qui a été rediffusée sur D8 puis C8 tout au long des dernières années, depuis sa première diffusion en décembre 2014. Alors, faut dire aussi que c'est le meilleur documentaire, puisque c'est celui qui a été réalisé officiellement par JLA, par Jean-Luc Azoulay, le producteur, et puis où on y entend Dorothée, Jackie, Corbier et Ariane. Ce documentaire a été rediffusé vendredi dernier, le 25 août, il est rediffusé en diffusion, je pense, un petit peu. Mais voilà, sinon, en télévision française, il n'y a rien d'autre. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, pour ce qui est de la télévision, il n'y a rien pour l'instant, il y a peut-être quelques petits reportages par-ci par-là, mais enfin, bon, il n'y a rien. Et puis en presse, par contre, on a quelques interviews comme ça qui traînent ou des petites notes. Il y a une revue belge, notamment Ciné-Télé-Revue, je crois, qui a été faite avec une interview pour les 30 ans du Club Dorothée, mais c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. À noter qu'il y avait quelques semaines, au début de l'été, il y avait un magazine qui avait ressorti une vieille interview. C'était Entrevue qui fêtait son anniversaire, les 30 ans, et ils avaient ressorti une vieille interview d'époque de Dorothée. Bon, c'était intéressant. Sinon, donc, pour la couverture médiatique, on parle uniquement de la chaîne YouTube officielle. Alors, je n'ai pas le droit d'utiliser des images pour trop illustrer les émissions spéciales de Dorothée sur notre chaîne, mais là, je vais quand même en utiliser une, mais on parle bien de la chaîne Génération Club Do. Le lien est dans la description, c'est une très très belle chaîne. Moi, je l'adore, et puis elle me sert énormément pour m'instruire. Puisque vous le savez maintenant, moi je suis un post-fan, donc elle me sert beaucoup. Cette chaîne est gérée par une petite équipe à AB, avec notamment un certain Frédéric, qui est un petit peu le chef de tout ça. Donc voilà, on lui fait un petit coucou, parce que je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il fait. Et donc, sur cette chaîne Génération Club Do officielle, donc, à partir de demain, le 2 septembre, puisque c'est demain que le Club Dorothée aura 30 ans, vous y verrez une programmation exceptionnelle avec des interviews. Il y aura Magali Madison, il y aura Jean-Paul Césari. Alors Jean-Paul Césari, c'est le chanteur de Nicky Larson, et Magali Madison, c'est Annette de Premier Baiser. Et puis il y aura d'autres choses, évidemment Bernard Minet aussi, mais il y a eu une interview il n'y a pas longtemps. Donc vous allez pouvoir voir ça, et puis il y aura des surprises, évidemment, des petites surprises. Des extraits, j'imagine qu'il va y avoir plein de belles choses, comme ils savent nous le faire, qu'ils nous ont déjà fait depuis plusieurs mois déjà, et donc j'imagine qu'on va être gâtés. Donc si vous aimez le Club Dorothée, c'est l'endroit à être, c'est la place to be, c'est Génération Club Do, donc la chaîne officielle, avec toutes les équipes d'AB. Voilà donc pour cette petite vidéo spéciale, l'événement donc. Demain, vous aurez rendez-vous sur Génération Télévision pour clôturer cette belle semaine spéciale Club Dorothée, avec ce jour-là, évidemment, le 2 septembre 1987, le fameux lancement de ce Club Dorothée. Allez, vive le bonheur, on est tous des millions de copains.